peux savoir où vous allez? Je vais là où vous allez, les gars. J'ai une préférence pour Macon. On va pas à Macon, madame. Nous, on va à Westboro, c'est tout. De toute manière, j'ai pas le choix. Eh ben, on peut pas dire que vous êtes en état de voyager, hein, madame. Et alors, ça te dérange, mon gars? On dirait que vous n'avez jamais vu une femme enceinte, mes paroles. Pas qu'on se cache dans les bois. Non, c'est pas courant. Bon, écoutez, me posez pas de questions, d'accord? Moi, j'ai pas peur de vous. Je suis enceinte et si vous êtes pas contente, c'est pareil. Je m'appelle Harley. Et vous? Il y a des balles dans cet engin? Eh ben ouais, qu'est-ce que vous croyez qu'il y a? Oh, c'est pas un jugeon, alors. Dire qu'il faut que je trouve un moyen pour que vous conduisiez jusqu'à cette satanée ville de Macon. Qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis, hein? Je vous ai dit qu'on n'allait pas à Macon. T'as l'air nerveux tout d'un coup? Eh, relax, je vais pas te tuer ou te violer. Sauf si tu fais ta tête de lard. Je suis pas nerveux, moi, mais je sais que je vais pas à Macon. Ouf! Alors, écoute bien. Tu vas m'emmener à Macon en vitesse. Si tu veux, je te paye le voyage. J'ai 20 billets, ça te tente? Vous êtes pas recherché par les flics, par hasard? Ah. Dites-le, mec, qu'est-ce que vous savez comment on met un bébé au monde? Le plein? S'il vous plaît, ouais. Oh, merde. Barons-nous, je veux pas aller à Macon. De toute manière, je suis prêt à parier que cette gonzesse, elle a pas un rond. Ouais, je sais. Dis-lui qu'elle le reverra, son argent. Je la rembourserai. Bon, je te la passe. Qu'est-ce que tu veux? Salut, maman. T'appelles d'où, là? De la prison? Non, c'est terminé, la tôle. Je rentre au bercail, maman. Qu'est-ce que tu racontes? Il me faut un endroit pour accoucher. Tu peux comprendre ça? Ils t'ont libéré pour que t'accouches? Non, ils m'ont pas libérée, non. Je me suis libérée toute seule. Si tu fais pas ce que je te dis. Non, mais qu'est-ce que vous voulez? T'as le pognon, mon vieux. Allez, et sois sage. Grouille-toi. Les mains en l'air. Allez, avance et ouvre-moi cette putain de caisse. Vite. Fais oui, ce que je te oui, dis. Allez, avance. Avance. Grouille. Prends les mains. Merde.
sais que tu veux sortir. Pas maintenant, s'il te plaît, pas maintenant. Attends encore. Tu dois rester encore dans mon ventre, s'il te plaît. Non, pas maintenant. Tu dois rester dans mon ventre. Je t'en supplie. Si tu reviens, tu verras. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Allez, mon chien, cherchons. Hé, Manu, ok, on y va. Allez, les chiens, allez, allez. Ils ont fermé sa piste. Hé, hey, là-bas, dépêchez-vous. On ne peut pas aller bien loin. Allez, mon chien, allez, allez. Elle est dans le coin. Elle est là-bas. Bébé maintenant. Non, 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 non. Pousse. Ah, ah, ah. Oh, mon joli poussin. Tu es mon bébé. Tu es Joey. Tu es mon joli Joey. Je sais que tu adores ton prénom. Joey, ça sonne comme joie. C'est ce que tu es, mon grand. Tu es ma joie. Un petit poussin, tu es si fragile. Veuillez signer ce papier. Harley, tu as de la visite. Maman. Tu as un petit fils. J'étais sûre que ce serait un petit gars. Regarde comme il... Je te signale que je viendrai pas plus près. Oh, petite peste! Jamais pensé que j'aurais peur. J'ai longé ces murs pendant tellement longtemps. Je croyais que je sortirais en sautant de joie et en criant comme une folle. Et je suis morte de trouille de quitter cet enfer. C'est pareil pour tout le monde, Harlène. J'arrive pas à croire que demain je serai plus là. C'est dur de savoir que je ne vous verrai plus. Vous êtes la seule personne que je connaisse qui ait su m'écouter. Ça ne m'était jamais arrivé. Non, personne n'a écouté ce que j'avais à dire comme vous l'avez fait. C'est toi qui m'écoutais, pendant que les autres dormaient. Si tu tombes, ne pleure pas, mais relève-toi, et à nouveau le soleil brille. Je l'ai noté, celle-là. Je vous remercie. Non, c'est rien. Ah, j'ai quelque chose pour vous. J'espère que ça vous ira. J'avais pas de papier cadeau. C'est magnifique. Essayez-la. Personne ne tricote comme toi, Marlène. Ouais. J'ai un petit truc pour toi aussi. Pour moi? Dans ton désespoir, tu trouveras le réconfort et la lumière dans ces pages. Que la paix soit avec toi sur ta nouvelle route. L'aumônier Ted.
De rien. Dis-moi, ta famille sait que tu es libérée aujourd'hui? Ouais, mais je m'attends pas aux éclats de joie, vous savez. Plus tôt j'aurais trouvé un boulot, plus tôt je pourrais récupérer Joey. J'ai déjà trouvé un appart et il me suffit d'un travail qui rapporte. Voici ma nouvelle adresse, au cas où vous voudriez m'envoyer une petite carte à Noël. Tiens, voilà un ticket de bus direction Mekon, un peu d'argent pour le voyage avec les félicitations de l'État. 25 dollars seulement? Ben oui, tu recevras ta paye le jour où tu passeras chez Madame Phillips, ton conseiller judiciaire. Entendu. Merci, Ethan. Bonne chance, Arlène. Te voilà libre comme l'air, Harley. Combien de fois je t'ai demandé de m'appeler Arlène? Hein? Non, je laisse tomber, on a trop l'air d'un idiot quand on mâche du chewing-gum. Oh ouais, pourtant qu'est-ce que t'en as mastiqué de la gomme pendant 8 ans? Même que tu avalais tes repas tout en mâchant cette saloperie. Ne me dis pas que t'as changé. Si, et je continue de penser que t'as l'air idiot. Dans le nord. Oh. Vous savez quand passe le prochain bus pour Mekon? Oh, dans une heure et demie. Oh là là. Bon, je vais me chercher à manger. Oh, ben, il y a des tas de stands dans le coin. Des pizzas, des hot dogs. Non, j'ai envie d'un truc frais. D'un fruit fraîchement cueilli. Monsieur, s'il vous plaît. Salut. Cher Joey. Bonjour, madame. Je reviens à Mekon et devine à qui je pense, mon poussin. À toi. Tu m'as tellement manqué. J'ai prié tous les jours pour que tu sois heureux et en bonne santé. Je vais envoyer ce petit pull à l'assistante sociale. J'espère que tu l'auras. Je t'aime. J'ai des pas sur la planche. Oui, bonjour. Arlène Osclo à l'appareil. WP 273 621. Je suis rentrée sans problème et je cherche un boulot comme vous m'avez conseillé de le faire. Dès que j'en trouve un, je vous rappelle. Au revoir. Votre réveil sonne à fait. Il fait radio aussi? Ah, oui, madame. C'est combien le petit lapin?
$1. Et la moitié, ça ira? Bon, d'accord. Candy est là? Non, non, elle ne vit plus ici. Ah, chiotte. Elle me doit $10. À cause d'elle, j'ai foutu mes chaussures en vente. On s'en blague, elle a mis les voiles, là, Candy. Oui. Et qui vous êtes? Oh, je m'appelle Ruby, j'habite à côté, de l'autre côté du mur. Ah. Vous êtes la sœur de Candy? Harley? Harlan. Elle vous a laissé un mot, quelque chose? Que dalle. Elle a tout emmené et elle a rien laissé. Vous venez de sortir, là. Ah, je connais cet uniforme, ça me rappelle des trucs. Ouais, les robes de sortie de tôle, mais j'ai rien d'autre, alors. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'enveloppe quelque part avec mon nom dessus? Non, je vous dis que j'ai rien vu. Enfin, elle roulait pas sur l'or, elle se servait de cette piole pour coucher. Je pensais que peut-être elle passerait me voir, je veux dire. La dernière fois que je l'ai vue, elle avait 5 ans. Chérie, elle reviendra pas. Ce type les garde auprès de lui, puis il habite à Berbette. Oui. Mais quoi? Eh bien, vous savez, elle voyait un tas de gens, il n'est pas impossible qu'ils repassent. Des hommes, c'est bien ça. Hein? Oh, Candy. Oh, j'aurais rien dû vous dire, mais je voulais surtout pas que vous l'appreniez comme ça, par hasard. Ça aurait été trop dur. Je suis pas surprise de toute manière. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis à côté. D'accord, j'y penserai. Merci beaucoup. Je suis contente de vous connaître. Tu viendrais? J'en savais rien non plus. Comment tu vas, maman? Pareil qu'il y a 8 ans. Je suis contente de te voir. Mais t'en fais une tête. Oui, je viens tout juste de me lever. Quand je pense que j'ai toujours été obligée de me lever à 6 heures du matin. Ah ben dis-moi, c'est cradingue, hein, chez toi. Je t'ai apporté de quoi nettoyer. Telle que je connais Candy, elle a tout embarqué. Je t'ai apporté du jambon et puis un petit bout de pâté en croûte. Oh, merci, maman. Est-ce que tu savais que Candy faisait le trottoir? Bof, le trottoir, elle le fait depuis qu'elle est venue au monde. Au fait, te fais pas de bile. Tu as 3 semaines de loyer d'avance et surtout ne me dis pas merci. Tu fais toujours ton super ragoût? Avec des pommes de terre à la vapeur et du beurre dessus. T'as toujours préparé le meilleur ragoût du quartier. C'est ce que tout le monde disait. Ouais, sauf que je le fais que dans les grandes occasions. Eh ben, c'en est une aujourd'hui. Je suis libre. Si tu crois que j'ai le temps de te préparer un festin, ton père est malade. Je dois m'occuper de lui. C'était pas un mauvais homme, ton père. T'entends ce que je te dis? C'était pas un mauvais homme, ton père. Ben quoi, est-ce qu'il t'aurait coupé la langue en prison? Tu veux que je te fasse un bon petit café? Non, ou... je peux pas rester longtemps. Pourquoi? Je croyais qu'on pouvait aller... J'ai du travail, faut bien qu'il y en ait un dans cette famille qui ramène du fric, Harley. Maman. Arrête de dire Harley, je ne suis plus une enfant. Je m'appelle Harlan, alors appelle-moi Harlan comme tout le monde. La
La Bible dit, va et sois humble, bienveillant, patient, et donne ton amour aux autres. C'est le meunier qui m'a appris ça. Je sais très bien que tu as fait ce que tu pouvais pour m'en jouer, maman. Tu t'es occupée de lui pendant plus de 3 ans, tout en faisant ton métier, t'as élevé cet enfant. Ça a dû être difficile avec papa qui était souffrant. Je sais, j'aurais pas dû me mettre en colère contre toi, mais... Arrête un peu, abandonner son enfant, c'est pas la fin du monde. Tu sais, June et Candy ont abandonné le leur de la même façon. C'est pas du tout ta faute, tu sais, si Joey n'est pas là avec moi. C'est ma faute. C'est moi qui ai fait toutes ces conneries. Ouf, t'as pas eu le temps de t'attacher à lui, c'est une bonne chose. Enfin, aujourd'hui, je ne t'en veux plus du tout. Mais je veux savoir pourquoi. Pourquoi tu l'as mis dans un foyer sans me le dire? J'ai fait ce que je croyais être le mieux pour ce môme. Et je pense que ça t'aurait rapporté que des ennuis d'élever ton bâtard de fils. Si, ça m'aurait fait du bien. Et je comprends maintenant pourquoi j'ai jamais eu de nouvelles. Moi? Mais je t'ai écrit, je te signale. Oui, un an après l'avoir abandonné. Et toi, qu'est-ce que t'as fait, hein? T'as voulu mourir, bonne idée. Se suicider pour un gamin, non mais sans blague. Maintenant t'as plus à t'en faire. Il n'y a plus d'enfants, t'es tranquille. Ouais, bien tranquille. Et où il est maintenant? Au fait, ta sœur June va bientôt venir te voir. Elle savait pas où aller, la pauvre gamine. Moi je peux pas l'héberger, alors... Maman... J'ai pensé au torchon à vaisselle aussi. Je parie qu'il n'y avait pas d'aussi joli torchon là où t'étais. Maman, arrête, je t'ai posé une question, je ne sais pas où il est, ton Joey. Je l'ai aperçu il y a à peu près un an. Tu l'as vu? Raconte-moi. De quoi avait-il l'air? De quoi tu veux qu'il ait l'air? C'était un petit bonhomme. Mais je me suis pas arrêtée. Je ramenais mon taxi et je l'ai aperçu à l'arrêt d'autobus. Quel autobus? J'en sais rien. Il partait pour Hollywood, quelque part par là. Bon, écoute, oublie tout ça maintenant, hein, on n'en parle plus. On fait une croix dessus. T'as toi, ça? Oui. C'est l'aumônier Ted qui me l'a donné, la Bible aussi. C'est lui qui t'a donné ton nouveau nom, je parie? Il n'est pas nouveau, maman. Tu me l'as donné, mais t'as jamais voulu t'en servir. Après ma tentative de suicide, c'est lui qui s'est occupé de moi. Il a fait beaucoup pour moi, maman. Ben voyons. Je suppose que t'as su lui faire des choses, toi aussi. Comment? Qu'est-ce que t'as dit? Ben, c'est un homme, non? Je suis pas idiote. Je lui ai tricoté un pull au vert. C'est tout ce que j'ai fait. Ouais, c'est sûr. Je me fais pas de bile. T'as bien su le réchauffer, ton aumônier. Ah, t'as que ça en tête. Mince, j'ai pas fait exprès. Je vais te dire, Harley, t'as pas changé. Je t'ai déjà dit d'arrêter de m'appeler Harley, ça fait gamine. Maintenant, je m'appelle Arlène, tu entends ce que je te dis? Arlène, Arlène! Harley ou Arlène, si tu savais comme je m'en balance. J'ai peut-être fait des erreurs, mais je suis pas une salope. J'ai jamais dit que t'étais une salope. Tu te rappelles de moi quand même? Tu sais qui je suis? C'est moi qui t'ai sorti de la merde où t'étais! Tu te souviens? C'est moi qui t'ai trouvé cette piole! C'est moi qui ai pris ton Joey à charge alors que personne voulait s'occuper de lui! T'as enlevé mon enfant, tu me l'as pris. Ouais, d'accord, j'ai compris, ouais. Et voilà. Je viens, je fais ce que je peux pour être gentille et je peux toujours courir pour avoir un remerciement. T'as toujours été une petite peste. Tu sais, les poules n'ont jamais pondu des canards. C'est ça. Insulte-moi, vas-y. N'empêche que t'as pas changé. Maman. Papa, je suis désolée. Est-ce que je peux venir déjeuner dimanche? Le dimanche, je fais le ménage.
J'aimerais bien que tu m'expliques comment tu prépares ton ragoût. Faut déjà acheter la viande et les légumes avant de le faire. Du veau, du mouton et un morceau de bœuf. Ah non, ne me touche pas. Gorge à maman, si tu pouvais. Ah, 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 elle a abandonné mon garçon. Ah, ah, la ferme, Osclos. Il faut que j'y téléphone. Laisse-moi y aller. Approche, approche, mon grand. Cette pute a abandonné mon petit bonhomme. Allez, tu veux quelque chose? Je veux que tu la fermes. Que je la ferme, hein? Brûle. Je descendrai bravement dans la vallée de la mort. Je défierai le diable car votre amour est en moi. Votre souffrance, Seigneur, est un réconfort. Car elle me prépare au regard de mes ennemis. Vous soindrez ma tête d'huile et verserez un peu d'eau. Et par ce geste, la bonté et la pitié feront partie de moi toute ma vie. Et je serai sous la protection de Dieu Tout-Puissant. Pour toujours. Tu te débrouilles comme un chef. Oh, salut Ruby, ça va? Ouais, et toi? Ah, tu tombes bien. J'ai l'argent que Candy t'a emprunté. Non, non, c'est le tien, pas celui de Candy, tu en as besoin. Elle te l'a emprunté, alors je te le rends. Sacré toi. Tu veux peut-être un café ou quelque chose? Non, avec cette chaleur, un truc frais. J'ai du thé glacé. Le frigo ne marche pas très bien, tu sais. J'arrange un peu l'appart pour mon petit garçon Joey. C'est bon, merci. Dire que j'ai rêvé pendant plus de 8 ans à cet instant. J'ai rêvé d'un super appart comme celui-ci et je me disais, de quelle couleur est-ce que je vais le peindre? Et ça y est, aujourd'hui, me voilà, le rêve est devenu réalité. Ah, formidable. Tiens, regarde. C'est mon petit gars. Oh, oh. Comme il est beau. Je sais. Et où est-ce qu'il est, là? Il habite chez des gens qui le gardent et qui s'en occupent temporairement à Hollywood. Et dès que mon appart est fini et que je me suis dégoté un bon boulot, je vais enfin pouvoir reprendre mon Joey. Et je vais mettre son petit lit là, dans le coin, comme ça. Et pourquoi pas lui mettre un paravent, là? Je veux qu'il ait son intimité. Tu sais, tout le monde en a besoin. C'est important. Et ce n'est plus un bébé, non? Il a 8 ans. Il est grand, maintenant. Et il est super. Salut, Ruby.
Mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Ça change, hein? Oh, oui, oui, je veux dire, c'est cool. Bon, disons que ça fait bizarre. Allez, reste pas là. Bah, tu sais, il y a des gens qui font des trucs cinglés en sortant de tôle. Ça, je te le fais pas dire. Je me souviens du jour où je suis sortie de Fayetteville. Toi, t'étais à Fayetteville? Ouais. Mais t'en as jamais parlé. Eh ben, je m'en suis sortie il y a 3 ans maintenant. Je suis encore en liberté conditionnelle. Bref, en sortant ce jour-là, j'ai envoyé une bouteille de lait par la fenêtre de la cuisine. Personne n'a été blessé. Juste éclaboussé, c'est tout. Bien fait. Ah, il faut que je devienne quelqu'un de respectable. Il faut que je me trouve un bon boulot qui paye honnêtement et dans les temps, de façon à ce que je puisse récupérer de jouer. Dis donc, tu connais quelque chose? Qu'est-ce que tu faisais comme boulot? Légalement, tu veux dire? Mm-hmm. J'ai appris à lire et à écrire quand j'étais en tôle. Et j'ai même passé un diplôme avant de sortir. Et je sais additionner, soustraire et rendre la monnaie. Et je sais tricoter mieux qu'une professionnelle. Et j'ai même vendu des pulls aux autres détenus. T'as rien fait de plus rentable? Ah si, un jour j'ai bossé dans une cafétéria, je faisais des sandwichs. Et tout le monde disait que la boutique n'avait jamais été aussi propre que quand j'étais là. Ouais. Et un plongeur qui s'en va cette semaine. Si ça te branche, j'en parle à mon patron. La plonge? Et ça paye, ça? Non, pas des masses. Non, j'en sais rien. Ma grande, il faut que tu te trouves un boulot vite fait. C'est la règle du jeu. Après, tu verras que les choses s'enchaînent. Bon. Et tu bosses où? Chez Silver Skillet, en haut de la 4e avenue. C'est moi qui fais la cuisine. Eh, moi aussi, j'adorerais faire la cuisine. Tu commences à la case départ et après tu grimpes l'échelon. Moi, c'est ce que j'ai fait, ma grande. Interdiction de vous éloigner à plus de 50 km, interdiction de fréquenter d'anciennes détenues. Oui, madame. Et votre appartement peut être contrôlé par nos agents à toute heure. Oui, madame. Tenez, voici le texte de votre libération conditionnelle. C'est écrit noir sur blanc. Si vous enfreignez une seule de ces règles, vous serez réincarcéré. Vous n'aurez pas d'autre chance. Bien, madame. Je vois que vous avez fait beaucoup de tricot, c'est bien, mais ça ne rapporte pas assez pour en faire un métier. Une de mes voisines m'a proposé un travail de plonge dans un restaurant. C'est parfait. Si ça ne marche pas, faites-le-moi savoir. Nous avons des arrangements avec différents employeurs en ville. Ils payent le minimum légal. Merci bien. Bon, passons aux choses agréables. Veuillez signer là pour votre salaire. Où ça? En bas de la page, là. Et ce carnet vous explique comment gérer vos dépenses, comment avoir une alimentation saine, comment prospecter en vue d'un travail, enfin ce genre de choses. Toutes les autres filles l'ont apprécié. J'en doute pas une seconde, madame. Et ça fait 782 $ et 23 cents. Attention, vous savez, ça rentre vite, mais ça part aussi vite. Ça n'est pas rentré aussi vite, madame. J'ai bossé 8 longues années pour cette paye. Je l'ai eu pour 10 dollars à la Croix-Rouge. Je vais enfin pouvoir dormir sur autre chose que ce matelas dégueulasse. Mmh. Tu sais quoi? J'ai mon propre chéquier. Je te présente mon chéquier perso avec mon nom, mon prénom et mon adresse dans une belle pochette. Et j'ai une de ces fameuses cartes. Tu la rentres, on le distribue et hop, t'as de l'argent. Fais gaffe qu'il te la mange pas. Allez, on se débarrasse de cet homme. Ouais, ouais. Oh. En fait, je me souviens qu'hier, mon conseiller judiciaire m'a défendu de fréquenter d'anciennes tolardes. Non, sans blague. Oh, c'est lourd, ce truc-là. Hé, hey, tu sais, je t'ai fixé un rendez-vous avec mon chef. Tu le vois demain. Oh, merci, t'es chouette. Ouvre, ma chérie. Candy n'habite plus ici, elle a déménagé. Alors foutez le camp.
Herlie Jolie, c'est moi. Ouvre. Laisse-moi entrer, merde. Qui est là? Qui veux-tu que ce soit? Allez, ouvre. Oui, une minute, je suis toute nue. C'est comme ça que je te préfère, Herlie Jolie. Ouvre, je t'ai déjà vu à poil. Ouvre. Tu vas te taire. Ouvre. Frappe pas comme ça. Salut, poupée. Un car. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'en veux, Harley Jolie? Maintenant, on m'appelle Arlène, Carl. Comment t'as su où j'habitais? Tes cheveux sont différents. C'est pas... pas pareil, quoi. Une fois déshabillé, il y aura plus de différence. Harley. Arlène. Fais attention où tu mets tes sales pieds. J'ai passé du temps à nettoyer ce putain de plancher. Et ne jette pas non plus tes cendres par terre. T'as drôlement changé la prison, on dirait. C'est qui le gosse? Celui de ma sœur June, c'est mon neveu. Joey. J'adore le tricot. Ouais. Tu sais, les clients aiment pas... Ils aiment pas les photos de famille, les bibles. Et Jésus. Ça les met un petit peu mal à l'aise, tu vois. Ils perdent tout leur... leur enthousiasme. Il n'y aura plus de clients, Carl. Et je devrais même pas te parler. J'ai pas le droit de revoir les anciens Macs. Tu ferais mieux de partir. Tire-toi vite fait, laisse-moi tranquille. Ton nouveau petit copain? C'est l'aumônier qui me l'a donné. Tu crois que Jésus t'aime, Arlène? Oui. Lui, oui. Pas comme moi. Oh. Je me cherche un boulot plus respectable, Carl. Quel genre? Un boulot plus honnête. Harley, tu sais faire trois choses. Le tapin, fuir et tuer. Deux sur trois payent bien et aucune d'elles n'est respectable. Je peux avoir un vrai travail demain si j'en ai envie. Et tu vois, c'est pas si difficile que ça. J'ai juste à dire oui ou non. Et c'est quoi? Oh, faire la plonge, Eva. Et combien tu penses te faire de pognon en faisant la plonge, hein? J'en sais rien, on m'a encore rien dit. J'en saurai plus après mon rendez-vous. Il va te faire 150 dollars par semaine. 150 dollars. À rester derrière un comptoir de zinc, à enlever la merde des plats, les petits morceaux de fromage collés au couteau et les bouts de viande rognés posés sur le côté de l'assiette. Et toi, les mains dans le gras, tu vas nettoyer ces saloperies 8 heures par jour pour à peine 150 dollars. Alors qu'avec Carl, en combien de temps tu peux t'en faire autant? En une nuit. Moins que ça. En 2 heures. 2 heures. Dégage. Tu te rhabilles et tu fiches le camp d'ici. Juste 2 heures, ma poupée, 2 petites heures. Tu dormiras toute la matinée et demain tu iras faire les boutiques, t'essaieras des robes, des parfums. Voilà ce que je te propose. Tu restes chez toi, tu bosses 8 heures par jour et tes mains resteront toujours douces et propres. Des bagues à chaque doigt, si tu veux. Tout ça, c'est fini, Carl. Allez, tire-toi. Fiche-moi le camp d'ici. Je te le répète, j'ai pas envie de retourner en prison. La prison? Je te parle pas de prison, chérie, au contraire. C'est la liberté. Tu sais, le gars que j'ai tué... Le coup est parti tout seul et... Oui, je sais. Oh. Tu vois, c'est ça, les armes à feu. À peine tu touches. Et le coup va... Bam. Bam. Là, je te reconnais.
Je te reconnais. Salut, Harley Jolie. Oh non, je m'appelle Arlène maintenant. Tu te fous de la gueule de qui, là, hein? T'es revenue parmi nous, ma grande. Va-t'en. Carl, je te dis de te foutre de camp. Tiens, il te faut des fringues. Non, va-t'en. J'en veux pas, ton prix. Carl bleu, fous le camp. Tu finiras par craquer et tu viendras me trouver. Arlène. Et tu diras au barman qui tu es vraiment. Et tu attendras que je vienne te chercher. Très bien, je m'occupe de l'omelette, Millie, tu fais le steak frites. Salut Ruby, ça va aujourd'hui? Tiens Arlène, Monsieur Collins devrait bientôt arriver. Ouais. Je me demandais combien ça payait de faire la plonge. Tu le sais, toi? Je sais pas, moi, 150 dollars, peut-être bien. 150 dollars à faire la vaisselle, à frotter et à récurer des assiettes pleines de bave et de fromage collé? T'es sérieuse? Ouais, je suis sérieuse. Tu peux jeter un œil et tu verras ce que c'est. Et un jambon beurre. Tu me passes une carafe d'eau, s'il te plaît. Alors, ce steak, ça vient? Ça marche, un steak frit. Sans qualification et étant donné votre expérience récente en prison. Oui, je crois qu'il vous sera plus facile de trouver un emploi auprès de votre conseillère judiciaire. Ah, vous avez bien fait de passer, mais je suis navrée, nous ne pouvons rien pour vous. Bon d'accord, je téléphonerai. Merci à vous. Gagner 50 000 dollars par an sans expérience. C'est la chance de votre vie, ne la ratez pas et téléphonez-nous. Non, c'est absolument formidable, Marie-Jo. Parfait. 5 000 dollars dans le mois, j'avais jamais vu ça. Entendu, oui, très bien. Je suis fier de toi. Je t'envoie ton chèque aujourd'hui. Bien. Non, c'est pas un problème. À plus tard. Bonjour, je suis Brian Craig. Je m'appelle Arlène Osclo et je... Vous voudriez changer votre vie, n'est-ce pas, Arlène? Sentez-vous les effets bienfaisants des produits Régal? Savez-vous ce qui est le plus important pour notre société à part les produits Régal? Vous, Arlène. Moi? Maintenant, ouvrez vos jolis yeux et regardez-vous dans la glace. Oh.
Oh non, pas moi, c'est la ligne Régal. Régal révèle votre beauté. Et il révélera aussi votre intelligence. Dis donc, où t'étais passé? Mon patron, M. Collins, t'a attendu plus d'une demi-heure. Écoute, ça y est, je viens de me dégoter un boulot respectable avec une paye correcte. Mais enfin, de quoi tu parles, hein? Qu'est-ce que tu dirais d'empocher du fric pendant ton sommeil? Et tout en restant aussi fraîche qu'une fleur. Regarde. La Bible dit, et la foi, et tu vivras dans le bonheur. Cherche et tu trouveras. Frappe à la porte et elle s'ouvrira. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai prié Jésus, notre sauveur, afin d'obtenir un travail qui rapportait bien. Et ça y est, aujourd'hui, tu es en face de toi, la future distributrice de toute la ligne de produits de beauté Régal. La crème pour les mains, le shampoing, tu ressens instantanément les effets adoucissants. Tu empoches le pactole sans faire de porte à porte. Tu restes juste dans la rue et tu fais remplir un papier aux passants. Tout comme Brian l'a fait avec moi. Chaque personne te donne 500 dollars et tu prends en plus 20% sur leur vente. Tout en dormant, tout en prenant un bain et en te prélassant. Des gens vont bosser pour moi. Je vais bientôt être riche. Tu vois pourquoi j'ai refusé ce travail de plonge? Et ce Brian t'a pompé 500 dollars, naturellement. Et aujourd'hui, j'ai ma propre affaire, chérie. Ton gars est un escroc. Écoute, Ruby, j'ai pas rêvé, j'ai vu où il travaille. J'ai vu sa bagnole dehors, son parking privé et son nom sur une plaque dorée. Et son chèque de commission aussi, 20 000 dollars. Dis-moi, je te parie que si tu retournes voir cet enfoiré, il n'y aura plus rien de tout ça, je te le garantis. Et pourquoi tu dis ça, hein? Parce que moi aussi, je me suis fait avoir. Et crois-moi, je reconnais un escroc quand il y en a un. Te démerder. Parce que personne viendra à ton secours. Et je te signale que la place a été prise tout à l'heure. Bien, c'est parfait.
parfait. Alors vous passerez une autre commande de laine de cette qualité et bonjour. J'aimerais... Je oui. désirerais voir votre patron, s'il vous plaît. C'est moi, la patronne. Ah, oh, je suis ravie de vous connaître. Je m'appelle Arlène Osclo. Oui. Et j'aimerais vous montrer mes pièces. Mais pas pour l'instant, mademoiselle. Nous sommes très occupés et... Oh, mais je n'en ai que pour une minute. Oh, mais ça alors? Où avez-vous appris à tricoter? J'ai appris toute seule, madame. Mais vous avez fait ça sans modèle? Oui, et les dessins sont de moi. Je les ai tous imaginés. Si t'avais vu comment elle regardait mes pulls comme s'ils étaient des œuvres d'art. Bref, la patronne n'a pas arrêté de me poser des questions sur mon poids ceci, mon poids cela. Et là, elle a dit qu'elle était sûre et certaine de les vendre. Qu'elle voulait mettre mes pullovers dans sa vitrine pour que les passants les remarquent. Et ensuite... Candy, tu manges mon petit sucre. Candy n'habite plus ici, elle a déménagé, alors allez voir ailleurs, d'accord? Candy, c'est moi, 007. Salut, fillette. Ah. J'ai toujours payé Candy 25 dollars pour... Vous êtes venu assister au cours de tricot? Au cours de tricot? Ruby, on a un homme pour les classes de tricot et de catéchisme. C'est Dieu qui l'envoie, qui l'entre. On va pas le manger, il a pas oublié sa Bible et ses aiguilles, j'espère. Alors? Si vous voyez Candy, vous lui direz que je suis passé faire un coucou, d'accord? Bonne soirée. Oui, vous aussi. Allez, allez, finis ton histoire, raconte-moi. Alors, elle a dit qu'elle voulait que moi j'enseigne l'art de tricoter aux femmes que ça intéressait. Et une fois que j'aurai donné les cours, je pourrai travailler avec elle et j'empocherai 6 dollars et 30 cents de l'heure. Bien joué, ma belle. Un bon roast beef avec des pommes de terre bien grillées. Ah, tu parles d'un morceau, t'as cru que j'avais un appétit d'ogre. Oh non, mais il faut que je m'entraîne à cuisiner en attendant de récupérer mon jouet, tu comprends? Je pense que je vais lui payer un joli vélo aussi. J'ai toujours rêvé d'en avoir un étant gosse. Mais maman voulait pas. Enfin bref, demain je vais aller au bureau de placement. Laisse-moi faire. Oui, tiens. Attends. Seigneur, merci de nous offrir cette nourriture que nous allons savourer. Amen. Amen. Arlène Osclo. Oui, c'est moi. Ravie de vous connaître. Oui, moi aussi, madame. Bien. Que puis-je faire pour vous? Je viens voir quand je pourrai récupérer mon jouet. Mademoiselle Osclo, nous avons votre fichier, mais... J'ai un bon travail maintenant. Un logement où vivre, propre et confortable, et soyez tranquille, il sera plus heureux avec sa mère que n'importe où ailleurs. Votre mère ne vous a donc pas averti? Je sais qu'elle l'a placé dans un foyer, mais maintenant je suis là. Mademoiselle Osclo, votre mère n'a pas mis votre fils dans un foyer. Mais c'est ce qu'elle a dit. Votre mère a demandé une adoption. Elle n'avait aucun droit. Détrompez-vous, elle avait ce droit-là puisqu'elle avait elle-même adopté Joey. Vous étiez pourtant d'accord? Non. Non, justement. J'ai signé des papiers, oui, mais je croyais que c'était juste pour le mettre dans une famille qui s'en occuperait de façon temporaire. Il n'y a rien de temporaire dans une adoption. Une fois que votre mère est devenue la mère légale du petit Joey, elle avait également le droit d'abandonner l'enfant, tout comme vous l'avez fait. Sans que je lui donne mon accord? Oui. Et pourquoi vous ne m'en avez pas parlé? Une fois que l'abandon a été signé, nous devons couper tout contact avec les premiers parents.
Moi et mon garçon, on s'est vu qu'un jour, c'était celui de sa naissance. Je sais que c'est très long, toutes ces procédures à la con. Mais n'oubliez pas que ça fait 8 ans que j'attends, et là, honnêtement, j'en ai ma claque. Je veux voir mon Joey ce week-end. Je veux que l'on fixe des visites régulières en attendant qu'on me le rende. Vraiment désolée. Vous n'avez légalement pas le droit de contacter cet enfant de quelque manière que ce soit. Quand il sera majeur, vous... Alors, si j'ai compris, je n'ai ni le droit de lui téléphoner, ni le droit de le voir. Non. C'est mon fils. Est-ce que ces gens-là s'en occupent bien d'abord? Oui, votre fils a été adopté par un couple très bien et je vous assure qu'il l'aime énormément. Oh. Je l'ai placé, faites-moi confiance. Je voudrais bien aller le vérifier en personne, si ça ne vous dérange pas. Je vous préviens, mademoiselle, que si vous tentez quoi que ce soit pour communiquer avec l'enfant, nous demanderons l'annulation de votre liberté conditionnelle. Il n'est plus votre fils. Voilà, vous savez toutes comment je m'appelle. Arlène. Je suis heureuse d'être avec vous et j'espère que je vous apporterai quelque chose. Nous apprendrons 3 points de tricot essentiels. Le jersey, la double bride et le point mousse. Mais... vous savez, tricoter, c'est pas la mer à boire. Je pourrais très bien vous apprendre le jersey en 5 minutes. J'ai commencé à l'hôpital quand je me suis fait cette brûlure. Le tricot est un réconfort et ça vous fait voyager, c'est chaleureux. Le tricot fait du bien et à tel point que je chasse les idées mauvaises et je m'imagine des paysages gais et colorés qui évoquent le bonheur et la joie. Comme ce petit garçon qui court après les papillons. Et... Comment elle le gagne d'ailleurs? Judy? Oh, écoutez! Ne surtout pas le Je t'en ficherais de nettoyer tes robes pour que tu reviennes sale comme un cochon. Tu t'es encore battu pour des bêtises. C'est un endroit sympa, mon grand. C'est très fréquenté, mais on y est bien, tu verras. Anciens clients l'attend devant le bar qui fait l'angle du boulevard Lee et de la rue Nielsen.
J'attends un client. Je sais, c'est moi ton client. J'ai téléphoné. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Que j'ai le temps de faire le chauffeur gratis? Faut gagner sa croûte dans la vie. Faut bien qu'il y en ait une. J'ai toujours été la seule à travailler dans cette fichue famille. Conduis-moi à la maison. Je paierai le voyage. Ouais, avec j'ai un bon boulot dans une boutique de laine. J'enseigne l'art de tricoter aux clients. Ah, ouh, ouh, ouh. L'art de tricoter, ouais. Dis-moi, maman, tu te souviens de ce jour où je venais de me battre avec les autres filles de l'école et où t'es venue me récupérer? Je t'ai toujours récupérée partout, ma pauvre fille. Aussi bien chez les délinquants qu'à la police ou en prison. Mais tu te rappelles pas de ce que tu faisais après? Tu t'énervais après moi et tu criais. Ouais. D'ailleurs, si j'avais su, je t'aurais fichu plus de trempes. Est-ce que tu te rappelles de ce jeune soldat? Parle que je m'en rappelle, c'est beau gosse. Ah, très joli garçon, non? Tu es rentré dans ce bar et tu m'as laissé attendre là. Bah quoi? J'avais pas emmené mon enfant dans un endroit pareil. Mais t'allais bien, toi? J'étais adulte, c'était différent. Je me demande encore pourquoi tu me laissais poireauter dans cette voiture au lieu de me ramener directement chez nous. Pas que toi qui faisais tourner la tête aux hommes, tu sais. Quoi? T'as très bien compris. J'avais seulement 12 ans, maman. De quels hommes est-ce que tu parles? J'avais osé te raconter, maman. J'aurais aimé te dire ce que j'avais sur le cœur. Me dire quoi? Heureusement que tu m'as pas tout raconté. Tu m'en as suffisamment fait baver. C'est papa. Tu n'aimais pas la façon dont il me regardait. Bah oui, tu faisais tout pour attirer son attention. Tu te pavanais devant lui comme une vraie petite effrontée que tu étais. C'est pour ça que j'ai donné mon accord pour que tu ailles dans cette école. Toi qui m'as mis dans cette putain de maison de redressement. Il fallait bien que je t'éloigne de ma maison. Je vais te dire ce que t'étais qu'une chienne d'avoir foutu ta propre fille dans un endroit pareil. Bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une enfant aussi méchante que toi? Qu'est-ce que tu fais? Harley, reviens, rends-moi les clés du taxi, tout de suite. Là. C'est ouvert. Ça va? Oui, très bien. Je t'ai ramené un peu de canard en navet. Merci, j'ai pas faim. Je le laisse quand même, on sait jamais. Tu sais, j'ai pensé que tu serais contente. T'aurais pas oublié de payer l'électricité? Non, j'aime bien le noir. Eh, viens donc un peu chez moi, il y a un bon polar à la télé. Ça te changera les idées. Il y a que 3 écoles à Hollywood. Et mon petit Joey est dans l'une d'elles. Dis donc, je serais toi, je tirerais pas trop de plans sur la comète, ma grande. Fais pas de conneries, mais tu sais rien du tout sur les gens qui ont adopté ton petit garçon. Il est possible que... Enfin, quoi, t'en sais rien, c'est peut-être des gens bien. C'est vrai, je ne sais rien. Je ne sais pas où il est. J'ignore s'il est heureux. Il est peut-être tout seul à l'heure qu'il est. Essaie de penser positif, Arlène. Tu sais rien sur eux, tu les connais pas. Ils sont peut-être bien. Peut-être bien des gens pareils que nous. Ferme la porte en partant, s'il te plaît. Oui, madame? Que puis-je pour vous? Eh bien, je cherche mon garçon. Il a 8 ans. Tenez, j'ai même amené son extrait de naissance. Son père est parti avec lui sans laisser d'adresse.
Et je le cherche partout. Oh non, madame, je suis désolée, nous ne fournissons aucune information sans ordre de la cour. Je vous en prie. Je me fais un sang d'encre pour mon fils, je ne sais même pas où il est ou s'il est en vie. Soyez gentille, regardez dans votre machine si vous avez un garçon qui est né ce jour-là. S'il vous plaît. Je vais regarder. Eh bien, oui, nous avons un enfant qui est venu au monde à cette date, mais... Mais c'est une fille. Et rappelez-moi sa date de naissance. Le 23 août. Oh, d'accord. Vous voulez bien m'attendre ici un moment? Je dois en informer Monsieur Guilliri. Que conseillère judiciaire, j'étais obligée de vous le oh dire. Oui, je sais. Je vous savez quand elle va arriver. Mais je pense qu'elle ne devrait plus tarder à l'heure qu'il est. Restez ici, je reviens. Arlène, je ne vais plus pouvoir vous garder. Il faut que vous partiez. Je suis désolée, j'ai quand même une importante clientèle. Et... Oui, madame. Comme je le disais à madame Phillips, si vous nous aviez dit la vérité, je vous assure... Vous ne l'auriez pas prise. Je peux vous faire une lettre de recommandation. Et je garderai les tricots qui restent pour les vendre. Vous rêvez. Si je ne fais pas l'affaire pour votre boutique... Mes pullovers non plus, ça va de soi, non? Entendu, Arlène. Vous n'aurez qu'à les prendre en partant. Vous savez pourquoi je suis là, Arlène? Oui, vous venez de me bousiller un emploi. Êtes-vous allé à l'école élémentaire de Polk City hier? Peut-être bien. Pourquoi? Pour retrouver mon petit curé. Et vous aimez cet enfant? Plus que tout, qu'est-ce que vous croyez? Je crois que la meilleure chose à faire, c'est de le laisser tranquille. Il a une nouvelle famille, alors laissez ce petit garçon vivre sa vie et vous vivez la vôtre. Écoutez, je n'ai peut-être pas été assez claire. Ne vous approchez pas de sa maison à plus de 500 mètres. Si vous tentez malgré tout de contacter l'enfant par lettre, téléphone ou n'importe quel autre moyen, j'annulerai votre liberté conditionnelle. Je vous réexpédierai en prison en moins de temps qu'il le faut pour le dire. Est-ce que c'est bien clair? Si vous avez compris, alors décrochez vos tricots et rentrez chez vous. Un prêtre à Mécon avec qui tu pourrais parler? Attends, je vais voir si je n'ai pas un nom ou une adresse où tu... Non, je m'en fous, je veux pas parler aux autres. C'est avec vous que je veux discuter. Alors vas-y, je t'écoute. Parle-moi, Arlène. Dis-moi ce qu'il va pas. Venez à Mécon et je vous le dirai. Je suis désolé, le règlement est strict. Je n'ai pas le droit de voir ni de parler à un ex-prisonnier en dehors de la prison. Sinon, je perdrai mon ministère. Vous disiez que je devais aimer notre Seigneur et accepter l'humilité. Heureux soit le modeste, car il sera béni. Vous disiez qu'être modeste, bon et honnête dans la vie sur terre, ça nous conduisait tout ça à la cité céleste. Et ben c'est faux.
On n'a rien du tout en échange. On n'a rien. Tout ça, c'est des conneries. Tout ça, c'est des conneries. Dites à Karl que je suis revenue au Bercail. La part de qui? Harry. Qu'est-ce que tu fais, poupée? Tu picoles avec les mouches? Elles sont de meilleure compagnie que certaines personnes que je connais. Regarde un peu ce que j'ai amené. Alors, qu'est-ce qu'on dit à son petit cœur? Fais un tour à New York, ma chérie. Se barrer vite fait de ce putain de bled à la con. Pour aller voir les meufs de King Kong? Ouais, on pourra même l'escalader jusqu'au ciel. Allez, maintenant, mets la robe que je t'ai apportée, viens. Allez. Tu fais. J'étais enceinte quand on m'a arrêtée et mise en prison. Je n'ai... Tu sais, je ne t'ai rien dit. Parce que... Il s'appelle Joey. Pas la tête. T'es trop con et trop calé pour reconnaître ton fils. Mon fils? Ah, c'est le mien et celui de tous les mecs qui t'ont sauté. Dans une prison de nana, on peut pas. Ça fait 8 ans. C'est toi, Albert, je te l'ai dit. Tu déconnes. Tu déconnes complètement.
trop vieille pour me rapporter du fric. T'es tout juste bonne à tricoter, hein? Je m'en souviens, papa. Tu mettais ta main sur ma bouche de façon à ce que personne ne m'entende te supplier. Voilà qui je suis. Tu te rappelles? Je suis cette petite fille. C'est ce qu'il y a dans ma tête. J'espère que tu comprends ce que je te dis, vieux salaud. Ton père tranquille. Ah, viens, entre, maman. Chut, ne dis rien, maman, Harley. Chut, ne dis surtout pas à maman toutes ces vilaines choses dégoûtantes que t'as faites. Et elle le savait, ce qu'on faisait, hein, maman. Elle était au courant de ce que tu nous faisais à moi, à Candy, à June, et tu t'en fichais parce que tu savais qu'elle ne ferait jamais rien. Sors tout de suite de ma maison. Non, chérie, ça me fera. Je téléphone à la police. Encore tes menaces à la con, hein. Tu savais ce qu'il faisait et tu disais rien. Toi, ma mère, tu t'as rien dit, tu ne veux pas aider. Pas aider alors que j'ai travaillé toute ma vie pour vous tous. Je me souviens très bien de toi ce jour-là, avec les mêmes lunettes sur le nez. T'étais à la porte en train de regarder papa me violer. T'étais qu'une fillette. Allez, maman. Arrête ton cire. Tu n'avais que 12 ans. Tu n'es qu'une sale menteuse. Arrête tes conneries. Tu nous regardais, je m'en souviens, tu sais. Harley, et que ça avait voir tout le monde. Non, ça y est, très bien. Ça jamais arrivé, jamais. Je te dis, allez où? Dehors, dehors. Fiche-moi le camp et t'en prends plus jamais à ton père ou à moi. Ça n'est pas notre faute si t'es une vicieuse et si c'est toi qui as fait le mal. C'est lui qui l'a fait et je m'en remettrai jamais. Tu le voyais faire et tu n'as jamais rien dit. C'est ça, pleure, qui pissera moins demain.
Donne-moi tes putains de lunettes et je m'en irai. Ça va pas. Fiche-moi le camp, je te dis. Voilà ce que t'es, salope. C'est déjà dit de la boucler, Holsklo. Holsklo. Oui, Holsklo, la perverse. La perverse. Holsklo, la solitaire, que tout le monde baise et jette comme une merde. Reste tranquille, tu ne vas pas mourir. Oh, Arlène, pourquoi tu veux te tuer? Tu es Harley. Pour ces vilaines choses. Nous voyons, Harley n'était qu'une jolie petite fille. Sur le sommet d'une montagne ou dans un sous-sol. Peu importe l'endroit, l'un est aussi sacré que l'autre, si tu as la foi. S'il fallait que tu gardes une pensée en sortant de ces murs, ce serait que l'amour de Dieu est en toi. Sois-en certaine et surtout que personne ne te l'enlève. Partageait la porte de cette serveuse. Elle écrivait son numéro de téléphone sur les boîtes d'allumettes qu'on offrait aux clients qui nous laissaient des bons pourboires. Enfin bref, une nuit, il y a un type qui a sonné. Il a dit qu'il travaillait dans un musée, qu'il n'avait pas un rond, mais qu'il pouvait payer avec un chapeau qui avait appartenu à la reine Victoria. Alors la fille s'est envoyée les gars pour un chapeau, qu'elle a rapporté au musée le lendemain en pensant qu'elle aurait une récompense pour l'avoir fait. Le musée lui a offert une visite gratuite et lui a même proposé d'aller voir les momies qui étaient au sous-sol et pendant qu'elle faisait sa visite. Ces salauds ont appelé la police. C'était pas toi, la serveuse, par hasard? Comment t'as deviné? Révi. J'ai vu mon petit garçon. Ah oui? Son sourire est comme un rayon de soleil. Ça a l'air d'être une gentille famille. Tout à fait comme dans les contes de fées. Une belle maison, de beaux vêtements. Jusqu'au chien de compagnie, t'es gaffe. Tu sais, je pourrais le voir qu'à sa majorité.
J'attendrai. J'attendrai. Juge d'application des peines.